Bonjour, je reviens avec ce produit que je vous ai présenté il y a un mois. Donc, juste faire le résumé de ce que j'ai depuis là fait sur mes cheveux. Donc, ça donne vraiment un coup de pouce si vous faites ça, surtout si vous faites un bain d'huile et vous laissez reposer toute la nuit. Si vous supportez les odeurs et que le lendemain vous devez laver vos têtes d'oreiller, là ça va vraiment, ça va très bien. C'est aussi bien pour les nous qui avons des cheveux qui sèchent et avec les pellicules aussi, ça aide beaucoup avec les pellicules. Donc maintenant on va monter ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon mélange. Donc là j'ai pris une bouteille juste comme ça là. J'ai lavé et j'ai rincé. Donc j'ai mon huile d'olive que j'aime bien. J'ai mélangé avec de lotion à la croissance, de Kiralon quoi. C'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre l'huile que vous choisissez, l'huile que vous voulez. Donc j'ai ici de la cannelle. J'ai ici la cannelle en écorce. J'ai du curcuma. J'ai du romarin. Et j'ai les clous du girofle. Bon, on va monter. Bon, moi, j'avais déjà mis l'huile d'olive et mélangé avec cette huile-là. Qu'il y a déjà l'écorce, que j'ai mis l'écorce, la cannelle dedans, que j'ajoute là. Bon. Comme je n'ai pas l'entonnoir, j'ai fait un truc comme ça, là, pour faciliter. Donc, comme ça. Pour faciliter le truc. Donc, je prends. Ici, la cannelle, une cuillerée à café, comme ça, jamais. Et je prends du curcuma, une cuillerée à café aussi. Et je prends aussi une cuillère à café du romarin. Si vous avez du frais, vraiment, c'est super. Du frais, c'est super. Vous ajoutez. Là maintenant, nous allons mettre notre du lait. N'oubliez pas l'ail. L'ail, c'est important. J'ai pas mis le clou du girofle. Aussi une cuillerée. Un café, comme ça là. Vraiment, c'est très bien parce que non seulement ça donne un coup de pouce, mais ça fait aussi briller les cheveux. Vraiment, ça c'est un mélange super, super, super. Et là, j'ai mon. Moi, je vais pas mettre comme les autres, je vais piler. Je vais prendre deux gousses d'ail, comme ça là. C'est déjà un peu sec, mais c'est pas grave, comme ça. Et je vais piler. Et puis juste un peu comme ça. Voilà.
Excusez, hein, mon téléphone qui sonne. Voilà. On ferme. Voilà. C'est mieux de laisser 2 jours hein, avant l'utilisation. Ça donne ça. Voilà, bon récapitulatif. Donc, du romarin, si vous avez du frais, c'est bon. Du curcuma. Les clous du girofle. Et de la cannelle. Si vous avez aussi en écorce, c'est mieux. Hein. Avec l'huile d'olive ou bien l'huile que vous voulez. Hein. Ça va. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.